Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle étude biblique. Dans le cadre de notre projet Perles bibliques, je vous invite aujourd'hui à étudier le verset 14 du chapitre 30 du livre du Deutéronome. Ouvrons notre livre. Ha'idoti vachem hayom et ha'shamayim ve'et ha'aretz. Ahaim ve amavet natati lefanecha aberacha vakelala uvaharta vahaim lemaan tihye ata vezarecha. Traduction. Je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que nous inspire ce verset? Nous retiendrons aujourd'hui un extrait de ce verset, à savoir « Uvaharta b'chaim » et tu choisiras la vie. Nos sages enseignent que quelles que soient les circonstances de la vie, celle-ci doit l'emporter sur la mort et vaincre toutes les forces du mal. Nos sages nous enseignent que nous pouvons et nous devons choisir la vie à tout prix, quelles que soient les difficultés que nous traversons. La Torah et les sages d'Israël nous invitent à toujours marcher sur les voies de la vie, de la croissance, de l'amour, de la compassion, et que, quelles que soient nos difficultés, nous soyons disposés à surmonter celles-ci. Nous en avons la force. La question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous, dans notre quotidien, capables de choisir la vie, de choisir le bon chemin? Tel est le défi qui est lancé à tout un chacun, et bien évidemment, à l'humanité entière. Choisissons la vie, sans jamais désespérer du lendemain. Toda Rabba, merci beaucoup, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine Perle biblique.